Les gens ne doivent pas remplir nos églises par rapport à la peur. Allez dans les églises qu'on peut plus de démons. Il y a beaucoup de monde. Ces gens ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est parce qu'ils ont peur. Toutes ces chorégraphies pour envoyer les feux. Vous qui me suivez, vous dansez dans les églises par les feux. Et vous envoyez ces feux. Ma soeur, je dis ce matin. Aujourd'hui, nous devons vérifier là où tombent les feux que nous envoyons. Vérifier dans nos familles. On envoie les feux, mais tu rentres chez toi, on dit ta sœur a divorcé. Comment tu me dis de prier, mais je suis encore là? C'est ce que les pasteurs nous font. Nous prions, mais nous sommes de deuxième bureau. Ils ne nous disent pas de laisser. Nous prions, mais nous venons dans les magasins. Ils disent amen, donnez la dîme de cela. www.casarema.fr. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Pour clôturer ce qu'on avait commencé ensemble sur ces sujets qui est tellement important. Ce matin, en relayant mon Dieu, Dieu nous a amené à une dimension d'un enseignement qui était tellement formidable. Et je pense que beaucoup de gens seront des gens qui réfléchissent. Parce qu'à la fin, je vis même une sœur venir me dire, la sœur qui s'appelle Rose, elle dit, « Pasteur, c'est des prédications comme ça, ça donne l'intelligence. » Il y avait un papa à l'église, il me dit, « Est-ce que Bishop, je peux te donner même la salutation parce que je me retrouve dans l'intelligence aussi. » Alléluia. Alors, c'est très important. Alors, ça ne nous empêche pas, nous aussi, cet après-midi, d'être bénis. On a dit, c'est une pratique un peu quoi? Magique. Quoi? Destinée à quoi? Destinée à, oui, à nous. Donc, à utiliser trois choses. Jeter un mauvais sort, envoûtement, et aussi quoi? Et quoi? Et possession. Nous avions dit que l'envoûtement, c'est une manière quoi, de faire influencer quelqu'un à distance. Donc, je suis ici, je vais m'asseoir ici, je ne t'ai rien dit, tellement, simplement par mes regards, je peux aussi t'envoûter. Je peux t'envoûter aussi par des gestes, des mains, tout ce qu'on sort, je t'envoûte. Je dis qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans la vie qui ont commis des actes ou qu'on les condamne aujourd'hui, mais ces personnes l'ont commise non parce qu'elles ont voulu faire cela, c'est parce qu'il y a eu des gens qui les ont envoûtées sans savoir. Nous nous promenons des fois avec des copines et des copains. Ce sont des personnes qui sont des sorcières, qui nous envoûtent pour faire des mauvaises choses. Quelqu'un qui n'accepte pas que toi tu sois erré avec ton mari ou avec ton chéri qui te promet le mariage. Il ne va pas te dire que moi je ne t'aime pas. Il ne va pas te dire que je ne veux pas que tu te maries. Et la personne peut oser t'envoûter simplement pour qu'un jour tu commences à sortir avec un autre garçon et la même personne va t'accuser chez ton mari. Simplement pour te mettre dehors. Et des fois nous ne comprenons pas. Nous allons dire que cette fille-là, ça m'a boulot, tout m'a boyé. Non. Oh, la personne que vous êtes restée ensemble, il m'a sali mon ingandengwala. Alors la seule chose, je nous ai dit dans notre enseignement, dans nos premières sessions, nous devons demander à Dieu de nous ouvrir quoi, l'œil. Quand on n'a pas l'œil et l'oreille qui voit, qui attend, l'œil qui voit et l'oreille qui entend, nous allons condamner cela qu'on ne pouvait pas condamner. On va accepter cela qu'on pouvait au contraire condamner. Nous avions condamné d'autres personnes qui étaient des innocentes, mais on a accepté d'autres personnes, ce sont des personnes dangereuses. Je te dis, comme tu es là, peut-être tu n'as jamais vu. Tu as une des amies parmi les amies que tu as. L'autre là, c'est elle qui est la plus dangereuse. Mais lorsqu'elle vous parle, vous voyez qu'elle parle gentiment. Elle vous rend service. Elle est tout le temps au téléphone pour demander ta santé. Or, elle demande ta santé simplement pour gagner ta confiance. Mais en réalité, elle ne t'aime pas. Elle veut te gagner ta confiance simplement parce que c'est que si elle gagne ta confiance, tu vas lui dévoiler tous tes secrets. Du moment où elle connaît tes secrets, elle va te frapper facilement. J'ai expliqué dans notre première session, c'est que le diable cherche. Parce que le diable et ses ennemis, qu'on appelle les sorciers, ne connaissent pas nos pensées. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent seulement à faire des choses pour nous influencer. Deuxièmement, ils cherchent nos faiblesses. Quand ils trouvent ta faiblesse, c'est là où il va frapper facilement. Et quand toi tu es malheureux, tu dois savoir que le diable est content. Alléluia. Et du moment où nous sommes heureux, le diable n'est pas content. Cherche de voies et moyens comment te détruire. Je vous ai dit dans notre deuxième session, quand on a commencé, et peut-être dans la première session, je ne sais pas toujours, je dis que si un sorcier ou une sorcière t'attaque spirituellement la nuit et n'arrive pas à t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la journée.
il vient à la journée parce que spirituellement, il trouve que tout est barricadé. Vous comprenez, barricadé, tout est fermé. Il viendra maintenant à la journée. À la journée, il viendra te provoquer, te déranger, pour te pousser seulement à te mettre en colère ou à critiquer les gens. Il peut t'amener une histoire pour critiquer l'autre sœur. Du moment où toi, tu commences à calomnier, c'est une porte parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas calomnier les autres. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas critiquer les autres. Du moment où toi, tu commences à le faire, directement, il trouve un péché dans toi et maintenant, elle peut te détruire facilement. Vous devez être prudente par rapport aux gens qui viennent nous rendre service pour nous apporter seulement des nouvelles, des mauvaises nouvelles des autres. Ces gens cherchent seulement où cette personne apporte la nouvelle pour déranger seulement ton cœur. Tu as passé ta journée très bien et tu vois qu'une de tes copines t'appelle au téléphone. Ah, je t'appelle un peu, hein, écoute un peu, parce que je parle beaucoup de Sœur Jeanne, mais aujourd'hui on parle de Lydie. Hein, je parle, et voilà. Hein, Lydie, je t'appelle, hein, et tu sais, je n'ai pas pu dormir, parce que ce que j'ai entendu chez Fifi, Fifi a dit des choses sur toi, même toi, tu ne peux pas supporter cela. Ta journée était bien, tu as commencé ta journée à chanter le nom de Jésus, mais du fait qu'on t'a annoncé une nouvelle que Fifi t'a dit des choses comme ça. Alobinini, Nazo Tikarola, tu ne sais pas que c'est une porte que le diable a essayé d'ouvrir simplement. Il y a eu des gens comme ça, tu es sorti. Ok, Kuna va bête, tu es mêlé, se retrouver dans l'hôpital. Pourquoi? Parce que le diable veut simplement détruire quoi? Ta vie. La mère des choses, je nous dis, ouvrons l'œil pour voir qui est dangereux et qui n'est pas dangereux. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, on avait lu avec vous hier. À partir du verset, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à qui? À tout esprit. Parce que vous devez savoir que chaque homme a son esprit. Comme on est là, nous sommes des esprits. La Bible dit dans le livre de Job, en réalité, à l'homme, quoi, c'est l'esprit. C'est que quand on dit n'ajoutez pas trois fois à tout esprit, il y a les esprits démoniaques, il y a aussi les esprits qui sont des hommes. Il ne faut pas avoir confiance en eux parce que cette personne t'avait acheté un carton de Thompson à la maison, ou ce qu'on appelle la Maurie. Hein? Nous, Chachar, hein? Bon, ça va. Nous, on dit Thompson, le poisson de mer. Donc, tout ça. Donc, la personne t'a donné cela et maintenant tu trouves que c'est une bonne personne. Vous savez, on a dit d'autres, on a témoigné pour d'autres personnes qu'on ne pouvait pas témoigner dans la vie. On dit qu'elle est gentille. Tu sais qu'elle, moi, la moisson, je ne fais pas mouler. Ose pas mouler, Satana. Le diable est tenté seulement. Tu sais, pour attraper un poisson, demande aux poissons dans l'eau, ils te diront que c'est qu'ils voient. On les jette la maison avec quelque chose. Les poissons viennent pour manger, on l'attrape par là. Les poissons, quand les poissons sortent, ils se retrouvent, ils voient, il y a les bois. Et les faits, les poissons commencent à pleurer. Pourquoi on m'a fait ça? Alors, il y a des gens, les sorciers nous font ça. Ils nous donnent des cadeaux, des gentillesses. Toi, tu dis, oh, yo, pensa, yanga moko. O, comment on va bien? Yo, yanga moté, ma alobi, ça va. La messe, au kanga, j'attends dans le bendo. On s'est retrouvé, le colon, moutakala, moutalaga, moutalaga. Et tu vas regretter ces jours-là. Alors, toutes ces histoires, nous avions enseigné simplement pour nous dire que non. Écoutez, nous sommes tous venus sur terre pour être heureux. D'une manière ou d'une autre, il faut que Dieu ouvre ta destinée. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres, pour aller seulement dans les fêtes des autres. Vous savez, ça me fait des fois pitié par rapport aux maisons relationnelles. Bon, ici, on aura ça prochainement. Et vous savez, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. On est toujours errés, nous habillés pour aller aux fêtes des autres. Et l'autre s'est marié, l'autre fête l'anniversaire de ses enfants, l'autre fête le 12e, 40e même anniversaire de leur mariage. On est toujours content d'être là. Mais est-ce que tu as toujours réfléchi, pourquoi pas moi? Du moment où tu réfléchis, tu ne sais pas, peut-être les autres là que tu vas chanter avec et danser avec, ce sont des personnes qui volent vos chances. Et il faut réfléchir, Seigneur. Je ne suis pas venu seulement pour témoigner pour les autres ou attendre les témoignages des autres. Je suis venu aussi pour que moi aussi je sois un témoignage. Sois un témoignage aussi pour toi. J'aimerais aussi. Arrête toujours quand tu parles, tu dis, tu n'as pas entendu Sophia Bali, tout ça. Je veux qu'un jour que les gens aussi parlent que yo pour ça nini au Bali. Ah, mais tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas les réalités spirituelles et ce que des vérités spirituelles. Mon frère, tu gêneras nuit et jour et tu ne comprendras rien du tout. Tu gêneras, tu vas maigrir, tu vas perdre même ton beau visage que tu as. Hein? Même l'homme qui pouvait même te draguer, quand il te verra, il va faire abonner à Boyo. Parce que tu gênes sans comprendre qu'est-ce que tu peux faire. Dis à ta voisine, ouvrons les yeux dans la vie. Ouvrons les yeux. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Alors, dans les autres sessions, on a commencé si mais l'esprit dit. On a dit en tout, mais l'esprit quoi dit. C'est qu'on avait parlé hier. Hier, on dit que non, écoutez, quand on dit mais l'esprit dit, c'est que j'ai parlé, tu as parlé.
Il et elle ont parlé, n'est-ce pas, a parlé. Donc, vous, nous avons parlé, vous avez parlé, elles ont parlé. Mais, à la fin, il faut dire, mais l'Esprit dit quoi? Parce que les hommes peuvent parler. Toi, ton oncle peut dire que vous, dans cette famille, personne ne va se marier. Oui, il a parlé. Ta tante peut dire que toi, tu n'auras pas des enfants. Elle a parlé. Et ton mari peut te dire, toi, tu n'aimerais pas. Tu as parlé, tu dis que tu as parlé. Mais l'Esprit dit, qu'est-ce que l'Esprit dit pour ma vie? Du moment où tu laisses la place au Saint-Esprit, les sorciers ne peuvent rien sur toi. Et les sorciers ne pourront jamais te dominer. Même nos églises, comme on est là, les gens peuvent dire, bon, nous, on quitte l'église, on va les voir. Tu dis, vous avez parlé. Il faut le dire, vous avez parlé. Il ne faut pas être influencé par ce que les gens disent. Même si 40 personnes parlent, on dit, vous êtes partis. Ils sont partis. Ils ont dit, mais l'Esprit dit. Quand l'Esprit parle, l'Esprit peut prendre quelque chose qui était vide, il est rempli. D'ailleurs, l'Esprit a commencé, la Bible dit, au commencement, il mouvait sur les eaux, il n'y avait rien. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, l'Esprit a donné la lumière. Quand il a dit que la terre produise, l'Esprit a préproduit. Quand Dieu a dit que vous faites quoi, l'Esprit a donné. L'Esprit aime là où il n'y a rien pour commencer quelque chose. Personne ne me comprend. Alléluia. Alléluia. Donc, mais l'Esprit dit, dis-moi tout ce que tu peux dire. Insulte-moi, humilie-moi. Toi, Tokota, là, Sokina Tikyon Osuka, Olobi, tu y as parlé. Tu y as vraiment parlé. Oui, Moutoumoussou, même si je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme. Azo finga, moi, ça. Petit. Petit, je suis là, petit. Petit. Mon fils là. Tu les regardes seulement. Quand il a parlé, lorsque le fait un petit repos, tu dis, mais l'Esprit dit. Il te dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai quoi? Jamais. Oh, toi, tu peux m'abandonner, mais l'Esprit quoi? Dit. Quand l'Esprit dit, sache-le que le monde angélique sont en mouvement. Tout le monde est en mouvement là-bas. Les anges attendent, l'Esprit dit quoi? L'homme l'a parlé, même nous ici, l'Esprit dit quoi? Oh mon frère, j'aime l'Esprit. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de sorciers. Dis aux sorciers, je n'ai pas peur de toi. Ah, même quand tu te vantes, comme on avait dit dans notre première session, qui me voit? Qui me connaît, dis-lui que je te vois ou pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. C'est celui-là, quand il te voit, il me donne l'assurance. La Bible dit, il n'est dos ni ne somnole. Moi, je peux dormir, je ne sais pas ce qui se passe, mais mon père, il reste là, en train de regarder. Quand il y a des moustiques, il est en train d'enlever des moustiques. Quand il y a des petits sorciers, il les envoie comme ça. Il dit, laissez mon fils dormir. Quand je me sens un peu chaud, il commence à me faire... Dors bien bébé. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre des prophètes, la Bible dit, il vous donnera un sommeil doux comme un sommeil qu'on donne à un bébé. Je dormirai tranquillement parce que celui qui veille sur moi, il ne dort d'une somnole. Quand quelqu'un comprend ces choses, tu n'as pas à trembler ni la terreur de la nuit comme la Bible dit. Écoutez, je vous ai dit ce qui me fait mal. Ce système de sorcellerie rentré dans nos églises, on a mis dans les têtes des gens que non, les diables, il faut avoir peur de lui. Écoutez, comment les pasteurs sorciers qui sont venus nous enseigner toujours comme ça, jusqu'au point que les païens n'ont plus peur des démons, mais nous, on a plus peur de démons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment comprendre qu'un païen ne tremble pas devant les noirs, mais un chrétien tremble devant les noirs? Ce n'est pas de votre faute plus, c'est plus nous, les pasteurs, qui vous enseignons. Les diables. Vous devez savoir quand on a quitté le monde. On avait l'intention, on savait tous que quand on vit au Seigneur, c'est là où on trouve la sécurité. C'est là où on trouve la paix, l'assurance. Mais bien au contraire aujourd'hui, un chrétien, au contraire, est devenu plus péril qu'un païen. Un païen peut traverser un endroit industriel, comme cette commune industrielle la nuit, tranquillement avec sa cigarette. Et surtout un Congolais qui sait se respecter. Mais dans le noir. Mais un chrétien. Quand il passe, il attaque les autres sans effet. Sans effet.
sans effet. Fire! Tu envoies fire à qui? Je nous ai dit, laisse-moi prendre cette partie que j'ai dit à Orléans. J'ai dit, le fait que nous, la communauté africaine que nous envoie dans nos prières, si c'est fait agisser, sache-moi, les démons n'habiteraient plus en Afrique. Mais je me pose des questions. Nous envoyons tout dans les faits, nous. Mais ces faits, ça tombe où? Et je me suis rendu compte que tous les faits que nous jetons, ça retombe sur nous-mêmes au Congo. Et sur nous-mêmes en Côte d'Ivoire. C'est sur nous-mêmes en Gabon. C'est nous-mêmes partout dans ces pays d'Afrique. Quelque temps, on entend quoi? La guerre au Congo, la guerre en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais les faits là, pourquoi ça ne tombe pas en Afrique, en Europe? J'ai regardé les églises européennes. Ils n'envoient pas les faits. Ce sont des gens qui viennent dans les églises. Surtout ceux qui font des églises traditionnelles. Tu verras ces messieurs viennent, surtout dans l'église catholique. Un blanc. On dit, pourquoi tu veux? Non, moi, je vais souvent quand il y a des baptêmes et des mariages. Il rentre là. Il sort. Mais quand il sort, mais on voit sa vie évoluer. Mais on se pose la question, moi qui ai envoyé les faits, pourquoi ma vie ne change pas? Beaucoup de faits que nous voyons. Aujourd'hui, les églises, tu vois, fire, fire! C'est devenu comme des chorégraphies aussi dans d'autres églises. Quand les pasteurs disent, prenez tout le monde, position, envoyez, mais écoutez, toutes ces chorégraphies pour envoyer les faits, vous qui me suivez, vous dansez dans les églises par les faits, et vous envoyez ces faits. Ma soeur, je dis ce matin, aujourd'hui nous devons vérifier là où tombent les faits que nous envoyons. Vérifier dans nos familles. On envoie le fait, mais tu rentres chez toi, on dit ta sœur a divorcé. C'est que le fait tombe chez ta sœur. C'est que le fait tombe chez nous. Pourquoi? Je vous ai dit hier la raison pour laquelle Isaac a posé la question. Moi, je vois le fait. On en voit toujours. Je vois aussi les bois. Je vois les couteaux. Nous sommes habitués à couper les liens. Couper les liens. Oh, tu veux l'église? Surtout les mamans, quand ils coupent, fais ta sœur peut te raser si tu es à côté. La maman coupe les liens de sa famille, mais sa fille figue à la maison. Pose-toi la question. Toi qui as coupé, comment ta fille a figué? Mais tu attendras ce messier, un païen qui ne prie pas. Ses enfants étudient tranquillement, sont toujours à la maison. Posons-nous la question de ces choses. On nous prêche un autre évangile, mais nous ne comprenons pas. L'évangile qu'on nous prêche, c'est que les démons des sorciers tout le temps, à tout le temps, ce sont des pasteurs et même infiltrés des sorciers. Parce que comment comprendre? Moi, je te présente la connaissance. Mais cette connaissance, au lieu de vous sauver, ça vous détruit. C'est qu'il y a un problème là-derrière. Il dit, pourquoi j'ai dit que les faits tombent sur nous-mêmes? Vous allez voir. À mon explication, comme je parle là. Écoute, quand Isaac a demandé à son père, il a dit, je vois quoi? Le fait. Le fait, c'est ce que nous voyons tout à l'heure. Envoyez le fait, envoyez le fait du Saint-Esprit. Que le fait descend, n'est-ce pas? On le fait, on voit ça. Dans nos églises, il y a d'autres démons des fois qui crient Fana, je brûle, on attend ce qu'on voit. Et quand on parle du mystère de la croix, sur la croix des fonds faits de délivrance, voilà la croix de Jésus, un démon crie, n'est-ce pas, on voit ça? Oui, mais quand on dit on se coupe les liens, on, sur tout ça, jusqu'à ce que le diable nous a aidé, au lieu de continuer seulement à attendre que les passages soient coupés, mettez-les comme un cri de chanson. Aujourd'hui maintenant c'est devenu des cris de chanson de musiciens. Parce que le diable veut que vous dansez vraiment. Coupez, coupez, on coupe. Ma sœur, depuis que tu as coupé, mais je trouve que tu coupes ton foyer. Comment ton mari ne te supporte plus pendant que toi tu as coupé les liens? Pourquoi? Isaac va te dire, écoute, père Abraham, je vois les faits, les couteaux, je vois toujours les bois, mais où est l'agneau? Pourquoi Isaac a posé? Parce qu'Isaac sait, s'il n'y a pas l'agneau, les faits là va brûler moi-même, Isaac. Si les gens sont brûlés parce que le pasteur vous présente le feu, le bois et le couteau, mais il ne vous présente pas l'agneau. Tant qu'il n'y a pas l'agneau, c'est toi-même qui va brûler. C'est toi-même qui monteras sur cela. Il faut dire, pasteur, je suis venu dans ton église. Tu m'as donné un jeu, tu as dit que j'évoque le feu, je l'ai fait. Tu m'as dit les couper, j'ai coupé. Tu m'as dit les bois, j'ai vu. Mais pasteur, où est l'agneau qui va remplacer? Sinon, c'est moi qui serai brûlé. Sinon, c'est moi qui serai brûlé. Lorsqu'ils ont vu l'agneau, on a épargné Isaac.
Et maintenant, c'est l'agneau qui monte. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour qu'on devienne une bénédiction. Mais tant qu'on ne nous présente pas l'agneau, c'est nous-mêmes qui allons envoyer le feu, mais ça va tomber sur nous-mêmes. Les Congos brûlent, mais pourtant, il y a des gens, des églises qui bombardent tout le temps le feu. Pourquoi ça brûle? Parce qu'on nous présente plus l'agneau. Tu viens dans une église, on commence seulement à envoyer le feu, à plier, à briser les pasteurs, parle un peu, après, il dit donnez les offrandes, vous partez. Mais dit pasteur, je n'ai pas vu l'agneau, c'est que nous-mêmes, on va brûler. Vous comprenez ce que je vous enseigne. Gardez ces histoires. Après le séminaire, voyez la spiritualité autrement, mon frère. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, Paul dit, écoutez, il dit, mais non. Nous n'avons pas qu'à prier avec l'esprit, mais aussi avec intelligence. Pourquoi Paul l'a dit? Parce que Paul est fatigué de voir les chrétiens demeurer toujours. Moi, c'est l'esprit. Oh, sakababa. Tu fais des sakababa, baba, baba, baba. Depuis que tu le fais, on t'a licencié au travail. Parce que tu fais des choses sans intelligence. Et Corinthiens 14 et 15 nous dit cela. Nous dit quoi? Je prierai par l'esprit, mais aussi avec quoi? Intelligence. Et quand nous venons dans les églises prier, prions aussi avec intelligence. N'allons pas dans les églises seulement parce qu'on vous a invité. N'allons pas à l'église parce qu'il y a seulement plein du monde. Non. N'allons pas à l'église parce que l'autre sœur là l'a témoigné. Écoutez-moi, depuis que je suis là-bas et les choses changent, dis-lui, montre-moi les choses là qui changent. Tu vois rien, mais tu dis seulement. Maman, si je te témoigne ce que Dieu fait chez moi, moi et toi, on prête toujours les bises. Moi et toi, des fois, tu me demandes aussi, tu peux m'acheter des barquettes de tabac. Mais toi, qu'est-ce que Dieu a fait depuis que je t'achète des barquettes de tabac toujours? Vous ne comprenez pas parce que le diable a voilé nos intelligences. Il nous fait croire que nous prions ou nous ne prions pas. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, Pharaon dirait une parodie, écoutez, bon, vous pouvez prier votre Dieu tranquillement, mais priez ici. Ne partez pas. Comment je dois prier Dieu? C'est ce qui fait le livre de Psaume. La chanson que vous connaissez, que Baboney, Siboney, qui chantait. C'est la chanson, c'est le Psaume, ça. Ça veut dire quoi? Comment je célébrerai mon Dieu, je le louerai sur une terre étrangère. La terre étrangère, c'est la terre où Dieu ne t'a pas appelé à les servir. Comment tu me dis de prier, mais je suis encore là? C'est ce que les pasteurs nous font. Nous prions, mais nous sommes de deuxième bureau. Ils ne nous disent pas de laisser. Nous prions, mais nous venons dans les magasins. Ils disent amen, donnez la dîme de cela. Nous prions, mais nous faisons des chèques. C'est lui qui prie, même quand il va faire les chèques, qu'on ne t'attrape pas. Ceux qui font ça, ils ne veulent pas dire amen. C'est normal, tu ne peux pas dire amen, parce qu'ici, nous parlons. Nous prions comme on est là. Mais tu es en train de faire déjà un frère. Fire! Le frère comprend pas pourquoi la sœur bouge la tête. C'est l'onction. Oh, ce sont des signalements. Aujourd'hui, les églises sont devenues les lieux de rencontres. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais la personne qui est venue au lieu de rencontres, d'autres viennent seulement pour attraper les gens de dette, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est rentré pour taper les gens, tout ce que les pasteurs disent, fait, il dit c'est mal à bouche fait, mais alors t'as le son aucune. Son idée, c'est la personne de dette. Tout ce que vous dites, les faits là, il est dit ici. Mais comment cette personne peut voir la main de Dieu? Alors nous commençons pour aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas récapituler tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous commençons par un verset simple que vous dites tout le temps, que vous connaissez, Osée chapitre 4 et 6. Osée 4 et 6. Harry, viens me faire encore l'honneur. Je pense que ce n'est pas le style là. Tu es maintenant européen ou tu es toujours éthiopien? Tu as évolué? Ok, viens, si tu as évolué. Amen. Par
puissance. Attends, suis-moi ici. Arrêtez de lire, notez. Écoutez ce qui vous fera du bien. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit mon peuple. Sa Bible dit quoi? Mon. Écoutez, vous étiez à l'école. Mon, ton, son. Notre, votre, l'air. Ma, ta, sa. Non, vos, l'air. Vous connaissez ça, non? C'est quoi? Adjectif quoi? Possessif. Quand je dis mon peuple, c'est que Dieu ne s'adresse pas aux païens. Suis bien ça. Quand Dieu parlait mon peuple, c'était pas les païens. C'était toi et moi qui dis enfant de Dieu. C'est toi et moi qui dis je suis protocole à l'église. Moi, ça fait 20 ans que je prie. Moi, j'ai commencé à prier depuis l'Afrique. Que tu me vois? Nous, quand on commençait à prier, Dieu dit à toi. Dieu dit à toi qui porte la Bible du pasteur. Dieu dit à toi qui fait la nourriture pour le pasteur. Des fois, on croit faire ça, on devient privilégié devant Dieu. Non, tu es privilégié devant les pasteurs qui mangent ta nourriture. Parce que quand tu mets tes ingrédients, ce n'est pas Dieu qui mange ça. C'est le pasteur. Alléluia. Ça va, amen. Oh, ma boumou, c'est moi qui mange, c'est pas Dieu. Vous devez savoir ces histoires. Malgré tout ça, cela ne te donne pas une possibilité d'être mis à part de ce que Dieu dit. Il dit, mon peuple à moi, qu'est-ce que mon peuple fait? Il périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Oh, quand on dit mon peuple, c'est celui qui leur appartient. C'est la chose qui est à toi. C'est la personne qui est à toi. Il dit, ceux qui sont à moi, ils ne meurent pas parce que je ne suis pas pour eux, mais ils meurent parce qu'ils manquent la connaissance. Si nous mourons aujourd'hui, nous tous, parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est la connaissance qui nous détruit, mon frère. Si les sorciers nous trompent aujourd'hui, que ce soit les pasteurs, que ce soit tout ça, parce que nous ne voulons pas la connaissance. Les chrétiens sont devenus des païens, mais chrétiens. Et qui veulent des choses rapides, mais qui ne veulent pas entendre. Il dit, mon peuple périt. Tu es en train de regretter dans ce chapitre. C'est un chapitre de regret. C'est un chapitre de lamentation. C'est un chapitre où Dieu se plaint, s'inquiète. Il dit, écoutez, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si vous y aviez la connaissance, c'est que vous n'allez pas mourir. Mais je n'ai pas entendu la Bible dire mon peuple périt parce qu'ils sont possédés de démons. Non. Je n'ai pas entendu que mon peuple périt parce qu'il ne faut pas des jeûnes de 100 jours. Ce sont que des séducteurs qui viennent avec des termes pour nous séduire. Moi, les jeunes qui disent, il dit car maman a bêta rassant. Sec. Quand vous attendez à l'yard. Jésus a fait combien? Moïse a fait 40, on l'a renvoyé, il a fait que 40, ça fait combien? 80. Mais la mère, vous ça. Mais elle ne diminue pas, il y a le jour. Et quand tu fais tes histoires là, qui est là? Moi aussi, je peux vous dire que je viens de faire 1000 jours secs. Moi, je vous dis, j'ai fait, mais j'ai fait ça à 18 ans. J'ai récupéré ma nourriture. Et il y a des jours où je ne fais pas. Mais je n'ai pas fait 5, 80 jours. Toutes ces histoires-là, c'est pour les séducteurs. Et quand tu viens nous prêcher, vous remarquerez que ce sont des personnes qui ne prêchent pas de grandes choses. Qui dit toujours, quand j'étais dans les jeunes, Dieu m'avait monté, beaucoup de gens ici vont se marier. Mais j'ai crié. Depuis qu'on t'a dit, tu vas te marier. Si l'homme ne te drague pas, tu vas te marier avec qui? Toi, tu crois que tu dis qui comme ça? Si moi j'étais là, j'étais célibataire, je vais te draguer parce que tu as dit. Ah! Il faut que tu sois sur mon goût. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le diable nous séduit d'une manière et quoi? Et d'une autre. Mon peuple est quoi? Périt. Dis à ta copine à côté, ton frère, ta soeur. Dis-lui, tu meurs parce que tu n'as pas la connaissance. Vous vivez comme des enfants. Vous suivez des gens comme des enfants. Vous mélangez des endroits comme des enfants. Quand il y a quelque chose, tu veux toujours que vous me posiez à Kiwana.
Écoutez, un homme qui réfléchit ne doit pas être là parce que tout le monde est là. Il doit être là parce qu'il sait que si je vais là-bas, qu'est-ce que je vais gagner? Et vous ne comprenez pas, vous passez vos temps. Vous devez savoir, quand un jour s'achève, ta vie est en train d'allonger. Tu vieilliras, mais comme un enfant. Et le diable aime ces gens, parce que je vous dis quoi? Il aime l'ignorance et marque quoi? Des connaissances. Et c'est par là qu'on peut te détruire facilement. Quand tu ne connais pas ce qui est vrai et ce qui est faux, on peut te donner le faux, tu vas accepter. La raison pour laquelle la sorcellerie, c'est un comportement seulement de détruire ce qui est à nous. Pourquoi? Parce que les sorciers eux-mêmes savent qu'eux, ils n'ont rien. Comme eux, ils n'ont rien. Et leur maître, le diable, lui, il est déjà condamné depuis d'avance qu'il ira en enfer. Il ne voudra pas que toi, tu sois heureux. Pour moi, l'histoire des deux femmes, vous connaissez. Vous connaissez les deux femmes qui avaient accouché le même jour, n'est-ce pas? L'autre a mis son enfant, l'autre a mis. Mais ceux qui étaient curieux, tous étaient dans la même maison. Pour vous dire que je vous ai toujours dit, les enseignements, mon fils avait répété ce que je vous enseigne ici, la fois dernière, que l'homme aura l'ennemi, les gens de sa maison. Quand on dit de sa maison, ce n'est pas de sa famille. La maison, ça peut être un étranger, mais tu héberges aussi. Tout celui qui demeure dans ta maison ne veut pas dire nécessairement c'est ton frère et ta soeur. Ça peut être aussi un ami. Ça peut être aussi quelqu'un qui part. Parce que toi, maman, tu reçois tout le monde. Tu penses qu'on va te donner prix Nobel des gens gentils. Pendant qu'on ne te connaît même pas. Ni François Hollande, ni qui. Alors tu fais des efforts pour toi-même. Alors de telles personnes vivent avec toi, connaissent quand toi tu accouches et quand tu n'accouches pas. L'accouchement peut être quoi? Et quand l'Éternel est en train de déclencher une bénédiction pour ta vie. Quand tu commences un projet, quand tu veux te marier, il y a quelque chose de bien qui arrive dans ta vie. Comme ces personnes sont avec toi, verront que tu vas accoucher. Et comme ces gens savent que tu vas accoucher, ces gens aussi vont faire semblant que comme si ils vont accoucher. Il y a des amis qui ont dit, moi je vais me marier bientôt. Et il n'a pas besoin de ça, comme il a dit, non, il n'a pas besoin de ça. Il veut seulement te montrer que il y a tout ça pour savoir que mon thème est indi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à détruire ce qui est à toi. Alors la femme l'a fait quoi? Lorsque son enfant était mort, la nuit, la femme a tué. J'ai dit, les sorciers tuent leur destinée elles-mêmes. Quand elles tuent la destinée, elles savent que ma vie est déjà finie. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Les autres aussi ne vont pas quoi? Réussir. Nous vivons avec des gens qui sont comme ça, qui ont des comportements comme ça. Quand toi tu réussis, son truc ne marche pas, il te donnera des mauvais conseils pour que toi aussi tu tombes. Il fait un commerce, il voit que son commerce était avalé, toi ton commerce avance, tu lui demandes comment tu avais fait ça? Il te ment pour qu'on t'attrape aussi, pour qu'on t'arrête, on arrête tes marchandises. D'autres, leurs marchandises sont bloquées à cause des amis, parce que ses amis n'ont pas voulu vous voir errer. Après, il dit, comment tu avais fait? Ah, il fallait que je t'explique quelque chose. Pourquoi tu ne dis pas avant? Il savait, elle savait, mais n'a pas voulu te dire, sinon toi tu monteras plus. Nous vivons avec des gens qui n'aiment pas nous voir en haut. Quand tu montes, ils pour que tu tombes en bas. Les gens n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que c'est comme cette femme. Cette femme a dit, moi je vais prendre son enfant. Les sorciers volent seulement ceux qui sont en nous. Je vais te dire, d'autres vies que vous menez ne sont pas vos vies. D'autres personnes vous ont changé cela. Ça que vous sachiez. Il a pris maintenant, qu'est-ce qu'il a pris? Cette femme a pris maintenant son enfant qui était mort. Il a amené, il a remplacé chez qui? Chez la femme. L'enfant vivant, la femme a récupéré. Vous vivez des vies qui ne sont pas vos vies. Vos amis vous ont volé. Rappelle-toi, regarde comment tu es belle. Mais quand tu sors avec ton ami là, les hommes cherchent lui, mais pas toi. Mais pose-toi la question. Pourquoi toi? Elle est mauvais comme elle incite même les hommes, mais les hommes les suivent toujours. Mais toi qui es une bonne femme, qui sait recevoir même les hommes, mais les hommes ne restent pas avec toi. Tu ne poses pas la question, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne veux pas comprendre, parce que tu n'as pas la connaissance. Tu penses qu'il est toujours aveuglé avec l'amitié. Ouvre les yeux, mon peuple périt. Quand il dit mon peuple, parce que vous êtes un peuple destiné à être heureux. Parce qu'il a dit que mon serviteur prospérera, s'élèvera, s'élèvera bien haut. Pourquoi vous ne montez pas? Dieu s'est plaint pour cela. Dieu dit quoi? Dans mon pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il dit qu'il est à qui? Il est à son peuple. Mais pourquoi tu n'accouches pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a volé ta semence. Et toi, tu ne comprends pas. Tu restes avec la personne. Dieu t'a dit, mon peuple, pourquoi? Parce que c'est que toi, tu seras en haut et non quoi? En bas. Mais ta vie n'évolue pas. Tu restes toujours tout en droit. Dieu sait que tu dors toujours chez les gens. Tu restes toujours avec les gens. Tu demandes toujours les autres. Dieu se plaît pour cela. Et tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui te fait mourir? C'est pas parce que tu n'es pas sert à Christ. C'est parce que tu es sa fille, mais tu es quoi? Sans connaissance. Dieu regrette pour cela. J'ai dit, Dieu est en train de regretter pour beaucoup de gens. Dieu se plaint. Il dit mon peuple, parce qu'il a réservé les choses pour son peuple.
Il a réservé des prisons. Il a dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Qui est cet homme-là? C'est ses enfants. Dieu aime honorer les mariages de ses enfants. Mais pourquoi des années, vous voulez arriver au tout premier mariage, tu ne comprends pas du tout. Abandonne d'autres amis que tu restes avec eux. Change ta vie, comprends les choses. Un sorcier ne te dira pas que je vais te tuer, non. C'est là que tu fais des photos toutes avec elle. Tu la connais? Oui, je la connais depuis longtemps. Tu connais son corps, son enveloppe, mais tu ne connais pas son intérieur. L'enveloppe est trompeuse. Même la Bible dit, la beauté, et la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La grâce est quoi trompeuse? La beauté quoi? Vaine. Arrête de vous fier. Il y a des gens qui aiment toujours avoir des copines parce que les copines sont belles. Allez, quand même, pour voir ça, la couple, pas surtout pas ça, ma belle, hein, tu sais. Dieu se plaint. Dieu t'a donné une supériorité sur les sorciers. Mais regarde comment ils freinent ta vie. Nous devons nous révolter. Aujourd'hui, il faut qu'on récupère ce qui est à nous. On a voulu faire accepter cette femme que cet enfant était à lui. Le man dit, non, c'est ton enfant, La discussion. Les gens veulent te faire accepter. Tigano kaka, tu as tout fait. Et si maintenant, tigano kaka. Pourquoi ils ne te disent pas? Parce qu'ils veulent que tu restes comme ça. Vous savez, ce qui est difficile dans la vie, ce n'est pas commencer, mais c'est recommencer la chose. Ces gens ne veulent pas que tu recommences quelque chose. Parce que si tu recommences, tu peux réussir. Ils te disent, ils sont même sans bon, ils sont au commerce, ils te disent, mais là, Kiotika, pourquoi tu veux toujours que je reste comme ça? Laisse-moi au moins continuer à essayer. Le sorcier. Regarde ta voix, tout voisin. Il est là. Elle est là, cette soeur. Ce frère est là, mais tu ne sais pas. Peut-être vous êtes venus aussi ensemble aujourd'hui. Peut-être hier vous étiez ensemble, je te dis. Peut-être vous avez parlé au téléphone même. Peut-être tu as dormi chez elle ou chez lui. Mais tu ne sais pas. Mon peuple périt. Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et de telles personnes vous amènent dans les églises. Il y a un pasteur dans mon nom. Tu connais son église au expliquer. Vous continuez, ils vous amènent toujours avec des esprits qu'on avait, les esprits traditionnels. Quand il y a un problème, il faut voir un féticheur. Maintenant, ils ont changé. Ces féticheurs sont devenus des pasteurs. Ils t'amènent chez celui-là pour qu'il te parle des choses. Pourquoi tu dois me dire mes choses? Mon père m'a dit déjà que mon père, il m'a dit mon peuple. Il m'a dit quoi? Vous, mon serviteur prospérera. Il a dit que je veux que vous prospérez quoi? À tous égards. Quand il m'a dit, parce que je suis à lui, pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des complices du monde des ténèbres. Quand tu vas là-bas, ils te volent la chance. Depuis qu'on t'a dit des choses n'arrivent pas. On te donne un semblant d'un homme. Mon balanga, regardez-moi, après cela, les hommes ne t'appellent plus, tu ne comprends pas. On t'a changé l'enfant. Vous savez, un enfant, c'est une bénédiction. Vous savez, un enfant, ça fait la joie. Vous savez, un enfant, c'est une fierté. C'est que ça veut dire quoi? C'est que Dieu te donne. Et le konayo, les alipambo, les alisengo. Ozo kumsaka ya baninga. Linga peva kumsaka ya baninga. Mais tout ça, il faut d'abord connaissance. Tu es un sorcier. On nous a dit que ce sont les sorciers qui ont des poils là qui sortent la nuit. Même si on dit que ce sont des poils, si toi tu ne sais pas. Tu n'as pas la connaissance, ça sert à quoi? Dieu n'a pas dit que vous mourrez parce que vous ne connaissez pas les noms des démons ou des sorciers. D'où viennent les démons là que vous... C'est lui qui va m'amener dans la Bible. Les noms des démons qu'on vous a donné dans l'église là qui était parti. Moi, j'abandonne les pasteurs. Tu me cherches dans la Bible. Là, on a dit les démons d'Akadaka, les démons de poils. Les pasteurs ramassent des choses dans le monde des ténèbres. On leur dit, allez les dire ça. C'est ce que les missions du monde font. Ils donnent des cris, les cris qu'ils jettent, ils sont des cris, les noms des démons dans l'affaire. Et les gens dans ça. Et les pasteurs maintenant font ça aussi dans les églises. Ils nous disent les noms de ces démons pour qu'on commence à les répéter. Oh, les démons nous possèdent maintenant après. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas aux musiciens du monde? Beaucoup de cris que nous avions dansés là-bas et que vous, d'autres sont ici, continuent à danser. Nous, on avait dansé à l'époque. On est déjà lavé.
Mais vous, vous continuez. Jusqu'aujourd'hui, tu viens, tu te laves, tu viens. D'accord. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que surtout le soir, Banobine. Surtout les jours de la fête des femmes ici, que tu étais parti, ce que vous avez organisé ici, là. Tu sais comment tu as dansé, non? On a ma putain la tête. C'est. Tu danses là-bas. Les moulolos, même moulolos qui fait l'église, on l'a fait là-bas. Après, il vient encore. Ici. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Ceux qui me suivent, je pense que vous trouverez que je suis un peu dur à mes enseignements, comme si je vise les gens, comme quelqu'un m'a dit, oh, pasteur, on suit tes enseignements, tout ça, tu dis aux gens, c'est que t'as encore comme moi, il y a pasteur au soba. Moi, je dis à qui? Je pense que tu me suis, on m'a dit, et moi, je dis quelque chose à toi. Ah, dis-moi si tu es l'un des démons. Mais laisse-nous tranquille. La seule mission que Dieu m'a donnée ces derniers temps, c'est ouvrir l'intelligence des chrétiens. Parce qu'on a beaucoup prêché que Moulimo, Moulimo, Moulimo. La Bible dit qu'il faut aussi l'intelligence. C'est ça la mission que j'ai maintenant. On ne doit pas faire asseoir l'église sous la peur. Les gens ne doivent pas remplir nos églises par rapport à la peur. Allez dans les églises qu'on peut plus de démons. Il y a beaucoup de monde. Ces gens ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est parce qu'ils ont peur des choses qu'on les a dit. Toi, ton oncle là, il t'a fait ça. Il faut venir 21. 21. Maman, où est la resto mon koufa? D'autres tombent là-bas à cause de diabète. Hein? Je vous dis vrai. On peut être coca tête, maman, elle va me la tête. Mais si compris, vous le mettez fait. Et maman, vous pouvez faire. Vous allez mourir parce que vous manquez la connaissance. Je lis avec vous dans le livre, mon fils, lis-moi, relis-moi. Mais on reviendra ici. Lis-moi Proverbe 11:9 là qu'on avait dit. Avec la version que j'aime là. C'est non, non, c'était le berger, qui avait ça, non? 11:9, vas-y vite. Parce que bientôt je vais vous citer les choses que vous attendez tous là. Parce que vous êtes bien patient de savoir comment il est comportement des sorciers. C'est que vous aimez à tout temps. Là, il est passé de 10 pages jusqu'à maintenant. On y va. Partie B. On dit que les justes sont délivrés par quoi? Mais pourquoi tout le temps des 21? C'est la connaissance, ceux qui me suivent. Ce qui vous tue manque de connaissance. Les justes sont délivrés par la connaissance. Parce qu'un homme qui connaît est difficile à être trompé. Mais celui qui ne connaît pas, on peut le tromper. Lorsqu'on a dit à cette femme, c'est ton enfant. La femme a regardé l'enfant. Ah non, c'est pas moi. Parce que la femme connaissait son enfant. Vous savez, dans ce monde, il y a eu des histoires que d'autres fois sont sorties de maternité, mais avec des enfants qui n'étaient pas les leurs. Ce sont des fausses mamans. Une vraie maman, même si les bébés naissent le même jour, son sang va crier, va sentir, ça c'est à moi. Il faut la sensibilité maternelle. Il y a quelque chose qu'on avait monté comme ça à la télé, non? Où est la sensibilité maternelle? Vous n'en avez plus. C'est parce qu'aujourd'hui, on accouche comme des jets. Comme des jets, je t'ai dit que tu accouches. Tu l'as vu, il y a seulement, fait seulement rare, tu ne les vois plus. Quand tu les verras, tu les vois avec une cousine. C'est qui? Ah! Jatte, abot sang, abot sangai. Vous accouchez comme des jeux et vous prenez des enfants comme des jouets parce que tu accouches sans avenir.
tu penses avoir un homme pour toi, il faut lui donner la foi de poule. Il y a des enfants, tu demandes son nom, on colle le nom de son père et de sa mère, mais le papa est parti à l'endroit. Il faut séparer les noms. Vous blaguez parce que vous n'avez plus la sensibilité maternelle. Cette dame regarde et dit non, ça ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas ma vie. Et quand on prend des vérités comme ça, les gens n'aiment pas. Et ceux qui sont à l'auditoire, ils ferment les yeux. Ils ferment le cœur. Quand tu dis amen, tu regardes. Amen à ma maman, au pasteur. Ça se passe dans son cœur. C'est qu'elle n'a pas pu dire ça tout au moins, je dis pour elle ou pour lui. Si j'ai des choses. Ils nous font des choses. Deux fois, des calculs. Quand on s'y l'a, les guides au tigre, on est au fond de la salle. Ce que tu dis, comme ça, ça l'a fait. Ah, vous avez crié, n'est-ce pas? Alors, c'est que si vous ne voulez pas, continuez à être à votre église. C'est simple. Alléluia. Alléluia. Simplement pour nous dire, on dit que c'est la connaissance qui délivre un juste. Alors, je vais vous faire un petit goût de ce que vous attendez. Allons-y dans les livres du nez content, déjà la contente. Dieu, amen, amen, amen. Ça, j'attendais vraiment. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6. Rapidement. Suivez. Viens ici, Harry. Tu es bien habillé, mon fils. Ouais. On y va. Suivez. Lorsque les hommes eurent commencé à se... Suivez bien. Note seulement. Quand je donne un verset noté, vous allez chez vous à la maison. Vous me suivez. La Bible dit, lorsque quoi? Les hommes eurent commencé à se multiplier. Eurent, c'est quel temps? Plus que passé simple, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu dis plus que passé simple? Ça veut dire quoi? Je veux que mes enfants soient intelligents à l'église. C'est très important. Ce qui nous tue aujourd'hui, parce que ceux qui prêchent aussi ne sont pas intelligents. Alors il prend ses mêmes versets, il dit pour dire, mais il ne comprend pas. C'est dangereux. Vous avez des passages comme ça. Quand tu dis, pas de votre idée, est-ce que Pierre avait une idée? Son raisonnement terre à terre. Nous vivons dans un monde où les choses évoluent. Hein? Si tu n'as pas eu l'occasion, l'Europe nous a facilité. Il y a des endroits gratuits pour faire une promotion. Rattrape les choses. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu, s'il ouvre une porte là-bas, c'est qu'il sait que je peux te bénir en rentrant par là. Ah, c'est qu'il ne veut pas être aidé, il y a du mal là. Je ne pas, je te pousse pas, reste calme. Si tu ne veux pas être aidé, ne t'aide pas, pardon. C'est là que tu as mis kate. 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 Tu as mis. Alléluia. Parce que moi j'aime ça, pour te mis kate. Vous connaissez ça? Si quelqu'un commence, moi je commence pendant l'été ici dehors, je suis le premier client. Katangai, Mwamba, Potopot, Ocheba, Banokutanga Garega Navani na Bawan, Potopot. C'est un bon commerce, mais or, tu peux voir plus dans la vie. Tout ça, c'est la réflexion. On y va. La Bible dit, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles, leurs filles nées, continuez. Les fils de Dieu, ce qu'on appelle les anges, virent que les filles des hommes étaient quoi? Étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi qui? C'est toutes celles qui ont quoi? Qui les choisirent. Attends d'abord, suis-moi ici, écoutez ça. Vous savez, la reproduction, Dieu a donné ça seulement à l'homme.
les anges ne peuvent pas se reproduire. Alors les anges connaissent ça. Suis-moi parce que je vais commencer à vous citer d'autres choses pour identifier d'autres personnes qui sont dangereuses avec vous. Les anges n'ont pas eu la possibilité de se reproduire, Mame Yenga. Alors comme les anges n'ont pas eu ça, si les anges avaient eu la possibilité de se reproduire, croyez-moi, le diable allait chercher à se reproduire pour qu'il y ait encore beaucoup d'anges démoniaques. Et lui, il allait être vraiment un arabe, donner beaucoup d'enfants. Terriblement. Et Dieu les a empêchés. Alors les anges connaissent ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Dieu les avait chassés dans les ciels, les anges qui sont des démons, la partie des démons, sont descendus. Suis-moi bien. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à regarder les filles des hommes que vous êtes, vous les serres là. Ils regardent. Vraiment bien. Abengitaji Moussous, viens, viens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des enfants avec les filles de qui? Des hommes. Suis-moi bien. Un démon, un ange démon, qui fait l'enfant avec un être humain. L'enfant né, n'est-ce pas? Comment ils l'ont fait? Pas spirituellement. Ils ont eu des corps que je vous dis, tu vois, des corps phosphores. Ce sont des corps qu'ils utilisent seulement pour être dans le contact dans le monde matériel. Après, ils peuvent disparaître, le corps là disparaît aussi. Alors, l'enfant qui naît, il a combien de natures? Deux natures. Une nature démoniaque et une nature quoi? Humaine. N'est-ce pas? La nature humaine et la nature quoi? Démoniaque. Suis. Or, la nature démoniaque, c'est une nature abstraite qui est spirituelle. La nature humaine, c'est ce qui est charnel. Or, nous savons, moi et toi, la chair retournera dans la poussière. Et nous savons que la Bible dit en réalité à l'homme, c'est qui? C'est l'esprit. Maintenant, ma question pour qu'on avance. Cet enfant, s'il fréquente l'église, va aller au paradis, oui ou non? Arrêtez. Pourquoi vous, je n'ai pas attendu. C'est qui a dit ça? Oui ou non? S'il demande même pardon, oui ou non? C'est un jeune, il dit non, mais avec hésitation. Tu vois quelqu'un qui ouvre la bouche comme ça? C'est pour dire que je peux changer, mais je ne vois pas beaucoup de soutien de l'autre côté. Je vous vois tous. On dit quoi? Qui sont ceux qui disent non? Comme ça, on ne parle pas la Saint-Gilles, c'est comme là où on connaît. Qui disent non? Bon, qui disent oui, ces enfants peuvent changer. Kelly. Kelly, elle est qui? Elle continue, elle dit moi. Tu es corrompu, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Écoute bien. Ces enfants, croyez-moi, ils ne peuvent pas changer. Mais est-ce qu'ils peuvent venir dans les églises? Oui, parce qu'ils ont notre nature humaine. La nature humaine, c'est la nature des émotions, des sentiments. Et voilà pourquoi on a d'autres chrétiens qui viennent dans nos églises, des chrétiens sensationnels, des chrétiens émotionnels. Quand il attend quelque chose, il peut aussi plaire à l'église. Oh Jésus, ça n'a rien à voir, c'est la partie humaine. Si son esprit, c'est la partie des démons, son esprit n'est même pas touché à ce que son corps fait là. Et l'esprit dit, finis tes caprices, après on va partir. Oh, nous avons de tels enfants. Ces enfants, dans ta famille, il y a un enfant qui est né parce que la maman a toi été partie chez un féticheur. Ta cousine a eu un enfant chez un monsieur qui l'avait appliqué des poudres, qui donnait des trucs et qui le faisait passer sous ses jambes. Et on l'appelle aussi un enfant, n'est-ce pas? Grandissent avec nous ces enfants aussi. D'autres sont nos amis. Parce que tu n'as pas l'œil, tu partages beaucoup de choses avec cette personne. Vous vous échangez même des vêtements.
Mais écoute, la provenance de cet enfant ne vient pas du monde de ton Dieu. Crois-tu son esprit à chaque fois qu'il est avec toi? Son esprit t'influence le bien? Non. Comme les choses spirituelles, on ne le voit pas. Les ondes spirituelles qui se passent, tu ne le sais pas à chaque fois que tu es avec une telle personne. Pour comprendre que nous avions d'autres personnes sorcières, tous les enfants que vous connaissez, ceux qui me suivent peuvent être choqués. Peut-être que tu fais partie de ces enfants. Tu dis non, moi j'avais confessé, on a prié pour moi. Écoutez, ça c'est la nature humaine qui parle. Je suis peut-être dur, je pense qu'il y aura des commentaires pour les gens qui ne réfléchissent pas, qui insultent les gens facilement. Insultez-moi, je suis déjà bien habitué. Mais ça ne changera pas la nature de cet enfant. La seule chose, c'est pour vous dire, même ceux qui me suivent, même si tu es en difficulté pour concevoir, continue à croire à ton Dieu, il te donnera. N'allez pas voir un marabout, n'allez pas voir un ancêtre, une mamie, et au qui pour que tu fasses ces pratiques. Faites attention. Vous êtes triste, Olivier, si tu es de cette nature, ce n'est pas ma faute. Mais c'est moi qui ai ta mère qui était partie avec ton père là-bas. Mais elle ne part pas, il faut rester toujours pour payer la salle quand même. Mais oui, ces gens, on a besoin de pour nous payer la salle quand même. Si quelqu'un comme ça prie à l'église, il donne l'argent de la salle, on va jeter ça. Mais non. On va payer. Mais c'est son problème, ce n'est pas moi qui le jugera. C'est Dieu. Mais moi, je vous dis, c'est le mal de vérité biblique. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, c'est tout. Je fais la suite, vous allez entendre. Et ils prirent pour voir parmi tous ceux qui choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours à qui? À l'homme. Parce que Dieu avait mis son esprit au avant qui demeurait toujours avec l'homme. Et quand Dieu a vu ce mélange-là, Dieu a dit non, comment mon esprit peut rester avec les mélanges démoniaques? Qu'est-ce qu'il fait? L'esprit part. C'est pour comprendre déjà tous les enfants comme ça, même s'ils parlent la langue ici, ce n'est pas la langue de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas rester dans la vie d'un enfant qui est issu de cette union. Mais nous avions aussi des pasteurs qui sont nés comme ça. Et qui vous dit, ils prophétisent, ils voient. Toi, tu crois que c'est l'esprit de Dieu qui voit? C'est l'esprit de son père démon qui lui fait voir des choses dans vos vies. Et toi, tu dis qu'il a la précision. Il a dit même les noms de mes ancêtres. C'est normal. Pour Dieu te bénisse, pour que Dieu prophétise pour toi. Il a besoin de dire les noms de ton oncle, là, de ton cousin, de ton grand-père là, qui est mort là-bas à Biko. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Est-ce que ta bénédiction n'est pas de ton oncle là, qui est mort au Biko? Dieu peut te bénir facilement. Alors pourquoi ces gens nous disent des choses comme ça pour nous toucher? Ah, là, tout le monde devient fou alors. Ah, là, tout le monde devient froid. Pas tu as une nièce, tu as un cousin. Tout le monde devient froid là. Alléluia. Tu as une copine. Et ce sont des gens très rusés parce que leur nature intérieure, c'est la ruse. Ce sont des gens qui peuvent vous faire beaucoup du mal, mais avec une ruse. Ce sont des gens qui savent gagner confiance des gens. Facile à mentir sur les gens, facile à dire des choses négatives, facile à briser les gens. Parce que du fond de leur âme, il n'y a pas le cœur sensible pour avoir amour et regretter quand on fait le mal à quelqu'un. Mais ils vous donnent l'apparence comme s'ils regrettent, mais en réalité, ils ne regrettent pas. Alléluia. Amen. Je laisse que cette partie, hein? Non. Mais dites amen, non. Amen. On était chaud ici depuis que j'ai dit ça. Vous voulez plus de moi? Est-ce que c'est moi qui avais fait ça pour toi? Alors, écoute. Je vous avais dit, si je commence à dire ces choses, les autres personnes vont fuir. La dernière fois, voilà pourquoi je n'ai pas voulu. Donc, parce que je sais, tu peux te retrouver dans une situation. On y va. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours sont... On a dit l'homme n'est que quoi? C'est que la partie de l'homme, c'est naturel. Écoute. Et ces jours seront... Dieu a limité les jours de l'homme parce qu'il ne peut pas laisser un homme vivre longtemps pendant que d'autres sont des démons
le laisser longtemps dans le corps humain. Il a dit, je limite ça à 120 ans. Or, avant, il n'y avait pas de limite d'âge. Ce qui fait que d'autres allaient même dans les 500, 600 ans. Imaginez-moi 600 ans. Je vais avoir mes petits fils. Mais on nous a privé cela à cause de ces unions-là, à cause de ces relations. Continue. Les géants étaient sur la terre. On a dit qui? On a dit qui? Ces gens-là qui sont descendus de ces fils-là, ils étaient comment? Or, la catégorie des géants, c'est la catégorie des anges qu'on appelle les chérubins. Ce sont, dans le monde des démons, on les appelle les démons guerriers souvent. Ce sont des démons qui sont plus de 3 mètres, qui sont costauds. Aujourd'hui, tout le monde, il y a même là. Vous êtes là. Dieu t'envoie ton nom pour que tu aies la première. Juste, son petit talent l'a doublé. Tu vas raconter les géants. Dans les boîtes de nuit, ces gens viennent, ces esprits. Dans les endroits où vous voyez qu'il y a beaucoup de mal, ces gens fréquentent là aussi. Tu vois, tu racontes nous. Eh, na kute mbali mo na kani zote lengane na lengai. Mina mo na sumbala ngote. Bosakani na buto na kopata na ifebe na mitika. Comment tu peux avoir une faiblesse comme ça? Du coup, posez-vous des fois des questions. Tu es là dans ta vie. Tu as rencontré un homme une fois le même jour vous avez fait quelque chose. Vous êtes là. Et après, oh, il m'avait laissé sa carte, mais je l'appelle comme si son numéro a changé, parce que c'était pas un homme de ce monde. Il était venu accomplir seulement ses versets dans ta vie, sans coupler avec une fille de l'homme. Là, on commence à toucher les lèvres, ma fille, ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, les fils de Dieu n'ont pas peur de dire amen, n'est-ce pas? Amen. Parce que vous soutenez le royaume. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui... Ces enfants-là, on dit, ce sont des héros qui ont gouverné le monde dans l'époque compta, dans l'Antiquité. On acclame la parole de Dieu. Première chose. Vous entendez des choses. Quand on dit ce sont des héros qui ont dirigé dans l'Antiquité, l'Antiquité a commencé avant les déluges ou après les déluges? Avant ou après? Quand vous allez à l'école, à l'histoire, vous parlez des déluges, vous? Ah, vous voyez? Allez poser la question à votre professeur d'histoire. Or, les gens me diront, ceux qui lisent sans compréhension la parole, ils diront que mais tous ces gens sont morts le jour du déluge. Mais un esprit ne meurt pas. Parce que nous verrons après Moïse, à son époque, on a vu des géants encore. On les a appelés les fils de qui? D'Anak. Cette semence a continué. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font aussi par des fétichères. Tu vas chercher quelque chose, le féticheur dit, je vais m'accoupler avec qui? Avec toi. J'en ai fait des délivrances comme ça dans mon ministère. Des mamans, des personnes que vous mariez, tu es avec telle personne de la maison, elle t'a jamais dit qu'il y a sa couche en ganga. C'est ce qui fait qu'il y a d'autres naissances dans nos maisons. Nous faisons naissance aux enfants qui ont des problèmes de malformation. Des problèmes, des troubles psychiques. Or, la majorité d'enfants qui ont des problèmes de troubles psychiques, vous devez savoir, c'est aussi un indice que vous devez mettre dans vos têtes. Ça aussi, beaucoup de pourcentages qui ont des problèmes de la sorcellerie, d'initiation. Pourquoi je vais vous dire une chose? Pensez-vous que Dieu peut te donner quelque chose qui va te faire toujours mal? Non. Mais qu'est-ce qui fait cela?
Dieu te donne peut-être un enfant bien. Mais comme dans ta vie, tu avais fait une relation avec quelqu'un négatif, on a laissé la semence en toi. Toute bonne chose que Dieu fait entrer, ces esprits cherchent quoi? À remplir, à lever les bons esprits pour que leurs esprits quoi? Prennent place. Ce que la femme a fait a changé qui? L'enfant. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tes enfants? Des bonnes prières pour récupérer les esprits de ces enfants qui sont en captivité dans le monde de quoi? Des ténèbres. Et tu verras, la maman ne veut pas prier. La famille ne veut pas prier. On prend les choses à la légère. Et tout ça, si vous n'arrivez pas à influencer la semence de quitter votre enfant, c'est cette semence qui vous fera du mal à la famille. Ce qui fait qu'on a remarqué, un enfant est tenté de violer ses soeurs à la maison, tous ceux qu'on sort. Vous ne comprenez pas. Ce qui est en lui là, c'est les esprits démoniaques. Et d'autres disent quoi? Non, c'est parce qu'il a des problèmes psychiques. Non. Comment un problème psychique connaît les rapports sexuels? Tu ne te poses pas la question, c'est le monde démoniaque qui veut seulement détruire les choses. Vous devez savoir, la Bible dit quoi? Si un adversaire veut entrer dans une maison d'un homme fort, la première chose, il doit d'abord lier cet homme fort. Parce que s'il ne lie pas, il ne pourra pas entrer dans sa maison. Or, la maison n'est pas seulement ce qu'on voit, ton corps est aussi la maison. Beaucoup de maisons que vous êtes ici, c'est l'ennemi qui habite maintenant. Vous devez les expulser sans garantie et sans préavis. Les demander de partir. Que le propriétaire de la maison revienne habiter. Je vous dis. Vous prenez des choses à la légère parce que ce qui vous tue manque de connaissances. Oh, viens, on nous a dit, papa, mon coup, ça sera beau. Tu pars encore entre les mains de Satan. Tu vas là-bas, les maisons te font des histoires. Il prend les sels, il te jette des sels. Il te jette des sels, il jette ça à la maison. Les sels commencent à trouver même les... Vous savez, les sels, c'est acidifié. Il y a l'acide. Ça commence à trouver même les draps, les pantalons à la maison. Tu dis, ce sont les démons qui commencent à partir. Non, c'est l'acide. Amen. Tu vois, et là-bas, on est bébé. Moto, t'es acide. Même si tu ne vois pas ses papas, prends seulement les selles, laisse les cirer un habit et que ça commence à se mouiller. À un moment, tu verras que ça va déchirer ces histoires. On vous dit des choses parce qu'ils savent que vous n'êtes pas intelligent, parce que vous n'avez pas été à l'école pour étudier la chimie. Si tu étais intelligent, tu avais étudié la chimie, tu vas facilement comprendre que ce n'est pas le fait, c'est l'acide. Alléluia. Voilà pourquoi les païens qui ont étudié d'autres choses que toi tu appelles un démon, il dit c'est pas un démon. C'est l'intelligence, simplement il comprend, il prend la solution, mais toi tu vois, commences à voir à l'habit, les faits à l'habit, les faits. L'habit dit, même moi on commence à me brûler, qu'est-ce que j'ai à voir à vos problèmes? Est-ce qu'on peut donner trois fois même? Amen. Amen. Ma soeur, mon frère. Peut-être à me voir comme ça, tu penses que si tu me dis quelque chose, je dirais, je ne suis pas de cette nature. Moi, je connais les secrets de beaucoup de gens, je ne dis pas. Ceux qui ont fait des rapports avec des gens comme des marabouts, comme des féticheurs, je vous conseille de l'amour du Seigneur. Voyez-moi, c'est pour vous. Si vous voulez le bonheur, même pour vos enfants. Vous voyez les enfants là, même s'il n'a pas un problème physique, regarde son comportement. Cet enfant, même pas intelligent à l'école. Regarde ses enfants, voyous. Regarde ses enfants, l'histoire toujours de ça. Regarde ses enfants, ils veulent toujours faire des histoires de braquage. Regarde bien, c'est une sémence qui marche avec cet enfant. Quel est besoin de remplir. Vous êtes là d'autres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi je coupe hein, parce que vous me détestez. Bah, je ne vais pas. Le kit est fini aujourd'hui, l'église aussi finie pour toujours. Ouais, non. Alléluia. L'église doit continuer. Tu viendras prochainement. Hein? Tu vas continuer à venir à l'église. Hein? Ah bon, je continue à parler. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'était assis avec un tel enfant. Il commence à rester dans papa. Papa, prie d'abord pour cet enfant. Fais seulement déloger les locataires actuels. Alléluia. Premier enfant, je dis les enfants issus directement par la magie
par la sorcellerie ou par les féticheurs, n'est-ce pas? Ça, on ne peut pas les sauver. Mais les enfants qui sont de bons enfants, parce que tu avais fait des relations avec quelque chose de démoniaque, vous n'avez pas fait un enfant à l'époque, n'est-ce pas? Lui, c'est seulement sa semence spirituelle est restée. Quand toi, tu as trouvé ton mari à toi, un mari normal, maintenant, le mari normal t'a mis l'enfant, cette semence est venue seulement remplacer le bon esprit. Cet enfant, on peut le récupérer. Parce que c'est la relation des hommes normaux, hein, normaux, n'est-ce pas? Hein, des hommes normaux, parce qu'il y a la femme qui est naturelle, l'homme aussi est qui? Naturel. Seule chose, il y avait un homme satanique qui a déposé quoi? La semence mystique. Ce qui a fait ça, c'est qu'on peut chasser cette semence pour récupérer l'esprit de notre qui? Enfant. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Ça, il n'y a aucun souci. Mais, il y a un mais. Ce qui peut déranger encore. Je suis un homme occulte. Quelqu'un m'attend. Et ma femme n'est pas une femme occulte. Vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé de cet enfant. Tu connais, non? Notre enfant de l'église là. Je suis occulte. Ma femme n'est pas occulte. Moi, dans mon occultisme, on m'a dit que tu dois t'accoupler avec ta femme aujourd'hui. Je dis, mais ma femme n'est pas dans une période qu'elle peut quoi? Concevoir. C'est l'histoire vraie, il connaît. L'histoire vraie dans notre église. Alors, mon maître, pendant que mon maître apparaît dans ma chambre, à chaque fois qu'il vient, ma femme, on le fait endormir d'une façon terrible. Il y a d'autres sommets que vous dormez, il y a la libéza. On t'a envoûté. Oui, mais réveille, écoute, sonnaio, carité. Fatigue à Wadegli. Fatigue. On t'a fait quoi? Endormir. Nous, mon fils est là. C'est ce que je vous dis. Viens ici. C'est pas vraiment ça. C'est une histoire vraie ou faux? C'est une histoire vraie. Tu étais avec les garçons là. Quand tu étais avec les garçons, quand tu dors. Il faut fouler la maison. Tu sais pas qu'est-ce qu'on te fait quand vous êtes avec. Alors, le maître à Paris, il leur dit, tu vas t'accoupler avec elle, tu la réveilles. Moi, je vais partir, tu vas la réveiller, tu vas t'accoupler avec elle, elle va concevoir. Le maître est parti, elle a réveillé sa femme. Elle a fait, la femme trouvait que c'est normal, c'est mon mari qui doit faire. Mais or, le mari savait pourquoi on doit faire. Le mari a fait. La femme n'a pas compris, ce n'était pas sa période, mais la femme est devenue en retard. Pas compris, mais elle n'a pas cherché longtemps parce que bon, j'ai fait avec mon mari, c'est pas grave aussi. Mais or, ce n'était pas la semence normale. C'était une sirène qu'on a envoyée dans cette famille pour qu'il puisse soutenir les papas dans ces histoires. Alors, pour que cette sirène vive, il faut qu'il rentre dans les ventres de la femme pour qu'il prenne aussi la nature humaine, comme on avait dit tout à l'heure, les anges là étaient descendus. Cet enfant est né. Elle vit. Cet enfant, elle vit. Cet enfant s'est marié. Je vous dis. Cet enfant a fait des enfants. Mon Dieu, on a pris d'autres femmes parce qu'on les a trouvées belles. On a aimé d'autres hommes parce qu'on les a trouvés quoi? Beaux. Tout le bon copain. Vous allez regretter un jour. Cet enfant est né. Vous savez que cet enfant tapait son père spirituellement. Jusqu'à ce qu'à un moment, son père avant, il avait fait les témoins. Oh, moi, j'ai abandonné tout ça. Je dis à mon pasteur, il n'a pas abandonné. Quand je suis parti, parce que vous voyez moi là, je n'ai pas les gros yeux pour rien. Mes gros yeux, ça me sert aussi. Je ne suis pas un chinois, moi. Il y a des choses que toi tu peux dire que la personne est délivrée. Moi, avec mes gros yeux, quand je regarde, arrête, la personne n'est pas délivrée. Mon pasteur avait cru. Mais avec le temps, mon pasteur a compris. Mon fils a dit, vrai, il n'a pas laissé. Effectivement, il n'avait pas laissé.
Un jour, de lui-même, il m'appelle. Comme si, à l'époque, je dirigeais l'église de Gombe, et lui, il faisait partie de là-bas. Il me dit, on va parler. Tu vois, je ne cite pas son nom parce que pour respecter quand même la famille de son mari, tout ça, ça va choquer. Ça risque de créer des polémiques là-bas. Mais au moins, lui, il connaît. Toi, tu es avantage. Il me dit, tu vois celle-là, elle est ça, elle n'est pas quelqu'un d'ici. Même ma femme ne sait pas quand on l'avait fait. Ce n'est pas une personne normale, c'est d'elle. Alors, mais avant qu'elle nous dise à l'époque, il nous criait, il disait, non, il faut prier pour cet enfant pour qu'elle soit délivrée. Vous savez, pasteur, nous souffrons des fois pour notre délivrance. Nous prions pour les gens qui ne vont pas changer. Il y a d'autres enfants. Peut-être, maman, toi, tu es ignorant. Tu es ignorante, mais ton mari connaît l'origine de cet enfant. Mais il ne te dit pas. Tu te déranges pour cet enfant, tu pleures même pour son changement. Mais l'enfant ne change pas. Or, ce n'était pas une bonne nature. On priait pour cet enfant, pour qu'elle change. Comme cet enfant m'aimait beaucoup, là, côté chair, hein? Pas côté l'autre côté là. Un jour, elle a pleuré. Est-ce que c'est l'esprit qui pleure? Non. C'est la chair. J'ai dit que la chair est remplie de sentiments, des émotions. Elle a vu la peine qu'on s'est donnée pour elle. De prier tout le temps pour elle. Elle me regarde pleurer. Elle me dit, ah, tu sais, moi je ne peux pas changer, même si j'ai la volonté. Moi j'ai dit, comment tu ne peux pas changer? Mais ces questions, c'est moi d'accepter, d'abandonner. Elle dit, je ne peux pas changer. Moi je ne suis pas de votre monde. Elle me dit, efface. Je ne suis pas dans votre camp. Tu ne remarques pas quand on dort, la journée quand vous vous levez, sur le balcon jusqu'à ma chambre, on voit de l'eau. Oui, on a des fois vu de l'eau, on voit votre domestique en train de nettoyer, c'est tout. Mais quand ma jumelle vient me voir, comme on est des sirènes, quand elle vient, c'est ce qui fait les traces de l'eau là que vous voyez là. Moi, je suis une sirène. Papa ne vous a pas t'il dit? Non. Il dit, moi, je ne peux pas changer. C'est impossible. Mon père excelle. Et pourquoi il vous dit de prier pour moi? Pourquoi il vous embête? Je te dis parce que je t'aime beaucoup. Il me dit ça. C'est la partie du corps qui fait ça. Cet enfant, il demande à mon fils, quelle beauté de séduction. Même Nicolo, papa, mon corps, il me dit, c'est la sémence démoniaque qui fait ça à cet enfant. Vous avez d'autres amis qui sont cette nature. Tu l'amènes à ta maison. Demain, ton mari tombe avec lui. Tu commences à connaître ton mari. Tu ne sais pas. C'est toi-même qui as fait rentrer quelque chose que peut faire rentrer dans ton foyer. Il y a des fils, parce que c'est le diable. Le diable, son rôle, c'est de briser, de faire le mal, de détruire. Quand il rentre chez toi, il faut qu'il détruise. Que détruire quoi? À séduisant ton mec. Tu dis à ton mari, c'est fini, c'est fini. Mais c'est pas lui. Voilà pourquoi, ouvrez les yeux, ouvrez l'oreille. Ne donnez pas confiance à tout le monde de faire entrer dans toutes les maisons chez vous. Ne les faire pas héberger, ne dors pas avec ses amis, ne mange pas, ne prenez pas vos maris pour ce qu'il faut les présenter. Tu risques un jour de devenir malheureuse et de regretter. Vous savez, cette affaire, ce que nous avons fait à l'évangélisation, je vous ai dit. Voilà. À l'époque, avant qu'ils nous disent la vérité, comme je les ai partagés pour aller faire l'évangélisation à Kankokolo. La fin est partie. Oh. Les gens de l'évangélisation sont revenus. Oh. J'ai demandé pourquoi ils ne reviennent pas. Oh, là, ils étaient partis prêcher. À l'église, à Moutaka, au théâtre, à coucher, mais dans les mêmes jours. Et nous, on l'attend. Mais lui. Mais je dis, mais comment tout le monde. On dit, bon, lui, on commence à demander. Toi, tu t'avais. Oh, oui, on t'avais. Elle me disait de partir, j'arrive. On est parti, on les trouve avec les garçons collés, mais les mêmes jours. Comme si c'est une relation amoureuse qui date de longtemps. Mais les garçons étaient aveuglés. Elle ne comprend pas. Elle pense que Nazu Momi, mais spirituellement, on l'a voilé. Ces enfants vivent aujourd'hui. Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, même un choix, consulte aussi ton Dieu.
Voilà pourquoi la Bible dit, toute chose qu'on fait, il faut qu'on dise si Dieu quoi le veut. Mais toi, quand tu fais des choses, tu dis toujours ça, c'est faux. Si on te dit de venir à l'église, tu dis si Dieu le veut, je viendrai. Mais pour aller dans l'Ouganda, tu dis jamais si Dieu le veut, j'irai au Ouganda. Vous êtes là.